Le 6 septembre 2023, la Commission européenne a proposé l'introduction de la carte européenne du handicap. Pour Vera Jourova, vice-présidente de la Commission, un handicap ne doit pas empêcher les gens de voyager et de se déplacer librement en Europe. Les avantages de cette carte ? Un traitement préférentiel partout dans les pays de l'Union européenne, des droits de stationnement renforcés, un accès gratuit et prioritaire aux musées, transports, manifestations culturelles et centres sportifs, des tarifs réduits, une assistance personnelle, en phase de test dans 8 pays de l'Union européenne, Roumanie, Belgique, Estonie, Italie, Slovénie, Malte, Chypre, Finlande. La proposition doit encore être adoptée par le Parlement européen puis être transposée en droit national. Son entrée en vigueur n'est donc pas encore pour demain.